Bon, là, je pense que ça enregistre. Je sais pas du tout ce que ça va donner. C'est la première fois que j'enregistre, je fais une vidéo avec mon appareil à photo. Je sais pas du tout. Pourquoi cette vidéo? Pour montrer. Là, je viens de me balader un petit peu dans la nature. Et puis, vous que je suis tombé sur une maison complètement abandonnée, comme il y en a des dizaines et des dizaines ici. Vous voyez, je suis dans un endroit complètement désert. Je suis venu en moto et je suis tombé sur cette maison là. Et j'aimerais bien aller la filmer à l'intérieur. On va aller la filmer ensemble. Je tourne. Voilà. Allez, on va y aller. Alors, il n'y a pas de coupure sur cette vidéo. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Au niveau du vent, au niveau de tout. Voilà, ouais. Il y a un petit peu de tout. Hein. On va essayer de faire un petit peu de zoom. Attends, je coupe 2 minutes. Hein. Voilà. Là, c'était pour faire mise au point. Parce que la mise au point se fait manuellement. On va rentrer à l'intérieur, vous allez voir comment c'est. J'y suis déjà rentré. Vous allez voir, c'est assez grand. Hein, ça c'est un nid d'oiseau. Pareil là. Ah, c'est assez grand, hein, regardez. C'est bizarre, c'est des maisons qui ont été construites et qui n'ont pas été continuées, tout simplement. Alors, savoir pourquoi, je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous donner d'explications là-dessus. On fait une visite vite fait. Je voulais vous faire cette petite vidéo parce que déjà je suis venu. Bon, là c'est la... Ils avaient commencé à faire la fosse septique, je présume. Là-bas aussi, on va aller voir vite fait. Je ne sais pas au niveau éclairage ce que ça donne. Oui, il y a des trous. Mon Dieu, j'ai eu peur. Il y a des trous un petit peu partout. Voilà. Voilà la maison, ce que ça donne. C'est bizarre, hein? Une maison qui a été construite et jamais continuée. On va faire le tour. Vite fait, je vais pas rester trop longtemps parce que je sais pas. Il y a peut-être quelqu'un. Dans le temps que j'y suis, je vais vous montrer les choses. Ce qu'on trouve ici, énormément. Des crabes blancs. Alors je pense pas que ce soit le soleil qui fasse ça, c'est la couleur du crabe, je pense. Parce qu'il y a un endroit là, pas très loin d'ici, où c'est rempli. Des centaines, même, je dirais des milliers. Alors vous voyez, je vous montre la maison en même temps. Je vous fais cette vidéo vite fait. Là, je sais pas ce qu'ils avaient voulu faire. Vous voyez, et là, ils avaient mis un garage ou un truc comme ça. Là, je vois pas bien ce que je filme. Alors, désolé si la qualité d'image est pas super. J'espère que ça ira. Bon, ben voilà. Voilà. Attends, on va tourner. Voilà. Voilà, mes amis. Je vous ai fait cette petite vidéo pour montrer sur quoi on peut tomber ici des fois à Djerba. Sur des maisons abandonnées. Mais vraiment abandonnées. C'est pas le chat qui vivait. Ah, si, il y a un avion là.
Il y a un avion qui décolle, attendez, je vais le filmer, vous allez voir. Tant que j'y suis. Je vais essayer de zoomer, hein, c'est pas sûr que j'y arrive. Hein. Vous voyez? Voilà. Et oui, parce que je suis à côté de l'aéroport. L'aéroport est derrière moi là-bas. Et bon, je peux pas rester trop longtemps ici non plus. Parce qu'on est surveillé. Et puis voilà quoi. Bon, mes chers amis, je vais vous laisser là. Hein ? J'espère que cette vidéo vous aura plus ou moins plu. Si vous en voulez d'autres vidéos, dites-le moi comme ça. Bon, j'en fais plus, à principe, j'en fais plus, hein, des maisons abandonnées, j'en fais plus. Parce que quand on en a vu une, on les a toutes vues, hein, c'est tous pareil ici. Hein. Y a rien qui change. Hein. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne après-midi parce qu'il doit être 16h de l'après-midi là. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très 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 bientôt. Oui, bientôt à Mio. Salut. Bisous, bisous, ciao.